bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Alan Wake 2, évidemment, avec l'épisode 6, comme d'habitude, 4K 60 FPS. On n'oublie pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et je peux vous dire que niveau enquête, bah écoutez, on prend du niveau, hein, on prend du niveau. On est assez chaud et on a découvert pas mal de trucs très intéressants. Et surtout, on a retrouvé Alan Wake, évidemment, et ça c'est incroyable, 13 ans après. Donc comment on va pouvoir expliquer ça? Aucune idée pour le moment, mais on va essayer tout de même de franchir cette énigme, comme on dit. On a un cadenas, mais on n'a pas de clé. Ça c'est fort embêtant. Est-ce que... Ah, on n'a pas de couteau pour se défendre, c'est vrai que dans Alan Wake, parce que j'aurais mis un coup de couteau en temps normal, voire j'aurais tiré une balle dedans. Mais bon, là je ne pense pas que ça fonctionne. Malheureusement, ça ne fonctionne que dans les films ou dans les autres jeux vidéo. Ok. De l'Alaska à la Californie en passant par la Colombie-Britannique, Washington et l'Oregon, la région du Nord-Ouest Pacifique s'étend sur une zone très diversifiée. On y dénombre 59 espèces de plantes et animaux menacées ou en danger d'extinction, dont l'impressionnant orque et le loup gris. Les écosystèmes... Ah bah c'est ce qu'on a buté, un loup gris. Ok, bon bah je vous laisse mettre pause. Hein. Là c'est pas... À mon avis, ça fait rien avancer niveau... Comment on appelle ça? Niveau lore. Pardon, excusez-moi. C'est horrible, ça fait 6 épisodes, je confonds toujours. C'est infernal. Station de Witchfinder. Et derrière, on a quelque chose aussi. Écoutez, en vrai, je vais plus avoir tendance à aller derrière, là, pour le coup. Encore? C'est pas possible. Attendez. Oh non, c'est horrible. Merde, pourquoi avoir mis la carte à gauche et pas à droite? C'est terrible. Terribles. On a quelque chose. Petite maison. On essaye de tout checker, hein, vous l'aurez compris. Bon, écoutez, rien d'intéressant par ici. Peut-être là-haut en haut. Oh, attendez, mais en hauteur, quelque chose me dit qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh là là, c'est infernal. 3 fois d'affilée que je me trompe. Un chalet privé. The Private Zone. Ça ne me dit rien qui vaille. Oh, un générateur. On va l'allumer, donc ça va devenir une zone safe. Très bien. Ça devient donc une zone safe. J'avais raison, super. Ok, j'ai compris comment marchait un petit peu le jeu. Et donc là, on pourra y save, évidemment. Et voilà, on pourra... encore une de ces comptines. Une mère corbeau couve son nid, gardant tout près d'elle ses petits, pour les sauver du carnassier venu pour n'en faire qu'une bouchée. Mais seule une héroïne endurcie sera éloignée l'ennemi. Ok. C'est ok, c'est ok. J'écrivais ça aussi quand j'étais gamin. Jusque-là, rien de dingo. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Une page? Oh, c'est une page. C'est une page. Page de manuscrit. Super. La secte de l'arbre. C'est celle-là? Les enfants de Bright Falls grandissaient en écoutant des histoires sur la secte de l'arbre. Des cinglés qui vivaient dans les bois. Des satanistes qui répétaient « on veille dans la nuit » en faisant des sacrifices dans la forêt. Ou des choses inhumaines rôdant dans le noir. Il y avait de nombreuses versions de l'histoire, mais toutes avaient un élément en commun. Le danger dans le noir, dans les bois. Il y avait une vérité secrète cachée parmi les légendes urbaines locales. La véritable identité des adeptes qui rôdaient dans les bois. Les véritables visages derrière les masques, les véritables mains qui tenaient les couteaux, les véritables gens qui accomplissaient une mission funeste. La forêt était dangereuse. Les habitants avaient raison de garder leurs enfants loin d'elle. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Client. Myriam et Matt, merci pour cette jolie randonnée. Patty, je suis venu de New York et j'ai adoré chaque minute de mon voyage. Laurie et Bob, ces sentiers ont connu des jours meilleurs. Kev, joli panorama. Monsieur Lockhart, il faudrait ajouter des aires de repos sur le chemin. Conseil pour un camping réussi, à faire randonnée, admirer le paysage. Hein. Ne pas faire couper des arbres, laisser ses déchets dans la nature. Ok, bruyant et irrespectueux. Et n'oubliez pas de bien vous amuser. Okay, c'est des petites leçons hein, pour s'amuser, évidemment. En cas de randonnée.
Oh, petite sauvegarde manuelle. Allez, on est parti. Donc c'est donc un petit air de repos, c'est ça? Ah, c'est horrible, c'est horrible. J'en ai marre. On a une réserve ici. Très bien. On va écouter, on se casse. Ok, quoi d'autre? Oh, on a quelque chose encore une fois à droite. C'est là où je voulais aller, hein. C'était à droite. C'est juste pour voir à quel niveau on peut... Ce bâtard. Oh putain, c'est pas bien par ici le clébard. Je te jure que je vais t'annihiler la gueule. J'en ai marre. Il loote rien en plus, frère. Bon, je suis venu ici pour me faire casser la gueule par un loup, hein, nickel. Bon, il y a un truc bizarre là, ce signe il fait peur, hein, sa mère. Hein. Oh oui, faut qu'on ait... Ok, 6, plus 2. Plus 3. Ah, 3 plus 3. Attends. Donc 8, 6. Il y a un autre... Un autre signe caché là, c'est sûr, non? Il n'y a pas d'autres signes cachés? Ok. C'est bien, apprends à compter avec Alan Wake. Plutôt cool, qu'en pensez-vous? 6 plus 2. 6 plus 2. Ok, plus 3. Qu'est-ce que c'est, ça met nous cette connerie? Ok. Une petite réserve. J'aime bien. J'aime bien ça. J'aime bien. Petite balle. Il n'y a pas une énigme? Quelque chose? Ok. Très bien. Prédateur. C'est pas vrai, frère! Vraiment? On doit en venir là, à chaque fois! Il a relâché 10 mules. Mais j'ai niqué 2 trucs de fusil à pompe, c'est pas du tout worth it. Superbe. Eh, c'est plutôt cool, là, on est bien. Mince, là, on retourne vers la cabane. Ok. C'est pas par là. Voilà, écoutez, c'est pas par là du tout. Donc, on se barre, on va faire l'énigme à gauche, là. Et on va essayer de voir un petit peu vers où ça mène. Bah, écoutez, je vais garder le fusil à pompe, hein. Apparemment, faut l'utiliser plus que de ne raison, hein. Plus que donner raison. Bon, qu'est-ce qu'on a là, les amis? Pierre, arbre, saurez-vous nous éclairer? Pierre, arbre. Là, c'est l'arbre. L'arbre, on l'a, c'est 6. Non, 6, c'est 8. Pierre, c'est 6. Pierre, arbre.
Pierre. Ah. Écoutez, tout cela est bien embêtant. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Après, saurez-vous nous éclairer? Peut-être que je joue un peu trop sur la lumière, tu vois. J'espère peut-être un peu trop que ça éclaire. Si ça se trouve, c'est pas un truc réfléchissant. Et c'est juste le numéro. Vous savez, il n'y a pas le genre plus 2, plus 3, plus 6, plus 12. Vous m'avez compris. Pierre. Pardon ? Formulaire. Sans... Très embêtant. Très embêtant. Pierre. Ah. J'ai une idée. Ok, j'ai une putain d'idée. Dans ces cas-là, écoutez-moi bien. 6, 7, 8. Et là, c'est 3. Je vois que ça. Honnêtement, je vois que ça. 3. Mes couilles. Ok, c'était le 5 et on sait pas où il est le 5. Donc on s'en fout, j'ai fait au hasard. Hein. J'avais 2 chiffres sur 3, les gars. Hein. On s'en bat les couilles. Hein. Très bien. Vous faites partie des nôtres ou vous êtes l'un d'eux? Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On saura jamais où était le dernier. J'en avais 2 sur 3, écoutez. Eh, on n'est pas des... Nous, on profite. Hein. On profite et on le fait bien, je vous le dis. On va save. On va save. Là, tout ce qui s'est passé est plutôt intéressant. Hop, on est reparti. Allez, direction la suite de notre aventure. On a fait tout ce côté-là, c'est un raccourci évidemment sur la map, hein, vous l'aurez compris. Mais là, le but, c'est qu'on aille à une sorte de station. Et normalement, si tout va bien, c'est par... non, c'est pas par ici. C'est par ici. Et on se barre à droite. C'est par là-haut. Tellement complexe les chemins. La carte, elle est vraiment assez proche. Comparé aux autres jeux, donc ça c'est une habitude à prendre. Witchfinder Station, voilà. C'est là qu'on devait aller. Ils l'ont dit 2-3 fois. Ok. Très bizarre ce qui se passe. Une page de manuscrit, je prends. Ok. Un amalgame de l'entre-noir avait besoin d'être tiraillé pour se manifester complètement. La réalité de notre monde était érodée par la répétition d'histoires terribles liées à un endroit et un contrepoids. Une œuvre d'art, une histoire d'horreur, créée dans les profondeurs de l'entre-noir, reliant l'histoire de l'autre côté pour traverser le voile fragilisé. L'histoire d'un homme de loi dont le cœur a été arraché. Deux hommes corrompus, tués par leur propre ambition perverse. Une vieille femme hantée, noyée dans une baignoire. Des reflets tordus de l'autre côté du miroir. Des arcs frappant à travers les réalités, amplifiant l'influence de l'entre-noir. Ces éléments conjugués ont formé un filet d'eau devenu un torrent, un trou de verre, un vortex. Et l'art, la carte, sont devenus le territoire cauchemardesque où l'entre-noir a empiété sur notre réalité, telle une couverture, où ces éléments se sont amalgamés, tordant la réalité et créant une boucle comme dans un cauchemar, remodelant tout et tous au sein de cette création horrifique. Il en avait des choses à dire. Il en avait. On a retrouvé ces petites boules empilées là, si je peux me permettre. Attendez. Oui, c'est ça que je voulais checker aussi, parce que il me semble qu'à trouver. Ok. Allez. Ça, c'est fait aussi. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Oh, Zoukol. Une boîte repas de plus. Trop bien. Faut vraiment tout checker. Je sais que vous allez y arriver, parce que sinon, vous ne seriez pas le héros. Et on a des petits fragments. Bougez pas. On va ressortir le dossier Botard au pas. Voilà, superbe. Allez.
Ok. Oh waouh. Très bien. On est loin. Faut vraiment tout bien fouiller. Bonsoir. Hors de question que j'aille là. Et là, on n'a rien. Très bien. Bon. Me voilà un petit peu rassuré quant à l'utilisation de la lampe torche. C'est exactement comme Alan Wake, premier du nom. Nous sommes derrière la maison. On va faire tout le tour au calme. Ou on va rentrer par derrière, quoique. Pourquoi pas rentrer par derrière? Ok. Attendez. Parce que c'est là qu'on doit aller, non? C'est ça? Ouais. Oh oui, c'est là qu'on doit aller. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Oh waouh, on entend que les respirations du héros. Deux bureaux. Mais qui travaille comme ça en plein milieu? Encore. Je me sens mal pour ces bêtes. C'est bizarre, hein? Il doit y avoir un trophée genre caresser tous les cerfs. Vous avez entendu? Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Un ordinateur. Oh, waouh! On n'a aucune putain d'idée. Ok. Oh. Ça va, vous, l'ambiance chez vous? Je vous le demanderai souvent de temps en temps. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Faire des recherches sur les changements de réalité découverts dans le secteur de Cauldron Lake, en utilisant la fiction et l'art comme source, puis en faisant apparaître les résultats dans la réalité. Méthodologie. Avec ce projet, le FBC a pour but d'utiliser des comptines, si après dénommées fiction, afin de recréer les conditions dans lesquelles l'écriture devient réalité. L'hypothèse repose sur deux biais, via lesquels la fiction influe sur la réalité, soit en reflétant des événements passés, mais inconnus de leur créateur ultérieur, dont la créativité devient la catalyse de ces événements passés, à la suite de quoi ils servent de source à sa propre inspiration. Soit la fiction elle-même est la force initiatrice dans sa chronologie présente, utilisant le créateur comme vaisseau. Lors de l'expérience, nous allons écrire des textes de comptines ayant une fonction précise, puis utiliser les poupées et symboles décrits comme requis via un processus de test soigneux dans le but que l'histoire racontée dans la fiction se manifeste dans le réel. Diverses combinaisons impliquant les poupées, symboles et comptines seront testées afin de récupérer de grandes quantités de données dans l'espoir qu'un schéma émerge. Les méthodes seront ajustées lors de tests. Ok, bon. Je vais vous faire un récapitulatif pour ceux qui ont eu la flemme de m'écouter. En gros, ils font des tests parce que il paraîtrait que ce qui est écrit devient réalité vers Cauldron Lake. Donc, ils font des tests, ils écrivent des comptines, voir s'ils arrivent à avoir des résultats, s'ils arrivent à rendre ça réel, etc. etc. Et vous l'aurez compris, avec l'aide de poupées, le but, une poupée loup cette fois, le but va être de tenter de recréer des écrits. Voilà. Lieu, structure, station de Windfeeder 2, bord de lac 1 et chalet à louer de Cauldron Lake 1. Ça, je pense que... Ah, c'est les sites de test de Cauldron Lake, donc c'est là où on peut mettre les poupées. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ok, et là, on n'a plus rien. Très bien. Très très bien. Trop bien même. Bon. Tableau, on a quoi? Laissez-moi sortir le dossier 978. Oh, waouh! Ok. Comptine, on est bon. Non. Poupée étrange. On est bon. Hop. Voilà. Et... Ça marche pas. Ah! Comment ça? Sur les changements de réalité produits par les comptines. Comment ça, mon ref? Ah, c'était ça que j'avais pas vu. Quoi? Si, je préfère. Très bien.
Très bien, très bien, très bien. On est bon. Bon, c'est là que je devais aller, mais alors là, j'ai toujours pas fait la quête principale. Hein. Vous vous en doutez bien. Qu'est-ce que c'est? Ok. Oh, des fois, la saga, les gars, elle prend des coups de respiration de folie. Comment ça? C'est incroyable. Très bien, ça. J'aime bien. Ça, mais ça, comment je peux trouver ça? Ok. Pour l'instant, il n'y a rien. Attendez, peut-être sur un malentendu. Ah, mais c'est pour ça qu'on peut ouvrir, fermer les portes et tout. Parce qu'il y a peut-être des choses derrière. Oh, waouh. Le petit cerf qui regarde contre le mur, c'est pas ouf. Un petit canard aussi, c'est pas ouf. Bon. C'est évident que c'était dans la buanderie. Alors 21.7, conseil du jour. Quand on doit satisfaire un besoin naturel en randonnée, bien vérifier le sens du vent avant d'agir. Les randonneurs ont cassé des branches près du lac pour faire un feu, alors que c'était illégal. J'ai essayé de récupérer les dégâts en arrosant la zone. Je vais peut-être devoir mettre d'autres panneaux d'information. J'ai aussi trouvé des empreintes que je n'ai pas reconnues plutôt grandes. Un carcajou ou des empreintes de pas effacées? Quoi qu'il en soit, elles suivaient un trajet étonnant, c'est peut-être un animal malade. Dois regarder l'œil. Poème du jour. Le soleil, en faisant un somme, ignore les tourments des hommes, qui se tracassent et se morfondent, enviant sans doute la paix profonde. J'ai ramassé des déchets laissés par des touristes malgré les instructions. Beaucoup nouvelles zones. Ok, 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 ok. C'est... complexe. Bon. La station, on y est, hein. On y est, on y est. On va faire tout le tour, mais enfin. Là, peut-être qu'on a quelque chose. Et peut-être ici aussi. Non. Ça, on l'avait pas vu. Il y a une cantine ici. La courageuse héroïne partit repérer un taure. Avide et affamé, des bois, le loup sortit alors. Il dévora ce qu'il trouva dans la maison délaissée, et l'héroïne perdit ainsi l'être qu'elle chérissait. Poupée de loup, corbeau, poupée de héros. Ça, les frères. Ah ouais, ok. On est dans la merde. La poupée du loup et le corbeau. La courageuse héroïne partit réparer un tort. Avide et affamé, des bois, le loup sort. J'ai pas compris. Et quand j'ai pas compris, je préfère récupérer tout le merdier. On sait jamais. Les amis, on est dans la sauce. J'ai l'impression qu'on a du mal à comprendre... Ça, c'est la radio. Attendez. Ok. Examiner la zone précédemment inondée. Retourner à Bright Fall. Oh my god! Bon, bah on l'a la zone par contre, hein, on l'a fouillé. Hein. Maintenant, faut retourner aux voitures. Oh, c'est loin. C'est loin. Pardon. Attendez. Je suis pas fou. Chalet à louer. Oh là 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 là. Ah, mais les gars, on est mort. On est mort. Beaucoup trop loin. Ces conneries. On a quelque chose.
Là-bas, on a... Oh non, c'était la boîte à goûter qu'on a eu. Ok. Ça va être loin. Hein. Waouh. Je ne m'attendais point à cela. Bon, on va passer par... Par où? C'est très bon, ça. Très intelligent. On va passer par où? Bah, par là, allez. Par le... La rivière. Oh, waouh. Je m'attendais pas à ce qu'on soit si loin. Allez. On va suivre la rivière. Non, parce qu'en plus, je crois que... Attendez, parce que je crois que... Voilà. Oh, putain! C'était là, le caillou. Oh, là, là, le seum. Ok. Et ensuite, si tout va bien, ça nous mènera... Ok. Et après, il y aura des raccourcis à la maison de la sorcière. C'est très bien. Très, très bien, ça. Très, très bien. Ça va que la carte est petite. C'est vrai que sur la... Comment on appelle ça? C'est vrai que sur la carte, ça paraît impressionnant, mais un mètre, voilà, ça nous fait bien avancer sur la carte aussi. Par contre, il y a deux cadenas à l'arrière, je sais pas du tout où on peut avoir les clés. Est-ce qu'on peut tirer sur les cadenas? Et dites-moi en commentaire pour ceux qui ont une solution pour ces cadenas-là. Moi, pour moi, on peut tirer sur les cadenas, en vrai. Hein. J'aurais dû essayer. J'aurais putain dû essayer. J'aurais dû essayer, les copains. Ah, j'ai envie d'y retourner. Vous savez quoi, on va y retourner, ça mettra fin à l'épisode. Je suis désolé. Je sais que ça peut paraître chiant. Et j'en suis navré, mais je veux en avoir le cœur net. Pour moi, il n'y a rien de plus, entre guillemets, débile. Faut juste tirer dessus. Parce que, il y a une clé à mettre, mais... Je vois pas, genre, on n'aurait pas trouvé les clés dans la nature, tu vois. Il n'y a même pas de, d'énigme qui te dit éclaire mon fion pour voir si un numéro apparaît ou autre. Donc pour moi, faut juste tirer dessus. Et il y en avait deux des réserves fermées comme ça. Donc j'espère que j'ai raison. Oh. Monsieur. Vous êtes un gourmand. Vous êtes un gourmand, ça me plaît. Ok. Bon, pour moi, faut tirer sur le cadenas. Mais bon, y a une interaction sur ce cadenas. Oh putain, c'est compliqué. C'est compliqué de ouf. Allez, on va le savoir tout de suite. Ah, mes couilles. Oh, par contre, on voit mon impact de balle. Et ça, c'est stylé. Mes couilles. Désolé. Voilà, je me suis trompé. Et... Oui. C'est pour ça que j'avais pas essayé plus tôt, parce que cette petite croix m'avait mis le doute, et le fait qu'il y ait une interaction dessus, je me suis dit, ça m'étonnerait. On va enfin, ceci dit, quitter cette forêt slash cette scène du crime, et on va retourner en ville. Et vous savez qu'en ville, il se passe des trucs incroyables, comme Rose et tout, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode, parce que ça promet en tout cas d'être incroyable. Et attendez, on n'est même pas encore arrivé à la voiture. Vous savez qu'il peut se passer n'importe quoi dans cette 10 voitures. Witcher, de toute façon c'est écrit sur les panneaux. Je commence à connaître maintenant par cœur presque. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je peux vous dire qu'elle m'a plu. On avance, on commence à se faire plaisir. Et ça, ça fait du bien. Allez, bisous tout le monde. Bye bye, à très bientôt pour la suite de notre aventure.